Good morgen, allez, Iden, les tutres aujourd'hui, le Nishmat, Murray, Bishmuel, Menchelom, Mazal, Menchelom, Minyamin, Ben Mazal, ainsi que le Fouat, Sarah, Bat, Petit, Rivka, Raphaël, Zoblon, Ben Chayam, Alia, Myriam, Bat, Rasila, Edov, Ben Yudin, Bedor, Chakol, Israël, si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah, contre la 5 minutes éternelle, nous étudions Maserhet, Roulin, Perek, Dalet, Mishnah, Aleph, Behema, Hamakshal, Eled, Veotzi, Yaoubar, Et Yado, Vechezira, Mutar, Ba, Achila, Otzi, Et Rosho, Afal, Piche, Echeziro, Arize, Ke, Yalud, חותך מעובר שבמאה מותר באכילה. מן התחול ומן הכליות אסור באכילה. זה הכלל, כל דבר שהוא גופה אסור, שאינו גופה מותר. Bon, il faut faire une petite introduction pour cette Mishnah, très courte. C'est tout d'abord d'expliquer ce qu'on appelle un Ben Pku'a. On en parlera plus longuement après. Mais pour le moment, une première notion déjà. Si on égorge la shrita d'une vache et qu'on trouve dedans un petit veau, eh bien, il faut savoir ce veau, on a le droit de le manger, même si on ne fait pas la shrita. D'accord? Il faudra juste le tuer, comme vous voulez, avec un coup sur la tête, un coup de marteau sur la tête, et on peut le manger, il est kasher. D'accord? Pourquoi? Ça, c'est déduit ça d'un pasouk, qui a utilisé une expression originale, qui a utilisé « V'chol behema mefreset par ça, v'chesat shereshla, ba behema tochlu » Littéralement, d'abord, tout animal qui a les sabots fondus et qui rumine, dans les mammifères, vous pourrez les manger. Dans les mammifères, au sens simple, ça veut dire parmi dans l'espèce, dans la famille des mammifères. Mais la Gemara, elle interprète ce pasouk pour nous apprendre que l'animal qui se trouve babéma dans les entrailles de l'animal, eh bien, il est permis quand tu lui feras la shrita. D'accord? Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, maintenant, je vais tout de suite vous vendre la mèche. On va parler dans notre Mishnah à partir de quand on considère. Maintenant, dès que l'animal il a un statut de. Il commence à s'appeler qu'il est né, Yeloud, il est né, eh bien, on ne pourra plus le manger avec un coup de tête, même en lui mettant un coup sur la tête. Même s'il est encore partiellement dans le ventre de sa mère, par exemple. Imaginez, pendant que la vache est en train de mettre bas, le petit veau, ça va être explicité dans la Mishnah, il a déjà sorti sa tête et même deux pattes, mais il a encore l'arrière qui est encore dans l'animal. Dans la mer. Et puis à ce moment-là, exactement, on fait la shrita de la mer. Eh bien, le petit veau, puisqu'il est déjà né, on ne pourra plus manger, on ne pourra pas se dire que, bah, tu sais quoi, l'arrière qui n'est pas encore sorti, tu le coupes et tu le manges, tandis que le reste, il a besoin de faire la shrita. Non. Dès que l'animal, il s'appelle qu'il est né, eh bien, il devient permis par la shrita de la mer. Il n'est plus permis par la shrita de la mer, il faut lui faire une shrita individuelle parce qu'il est déjà né. Donc c'est un être indépendant, même s'il est encore. Il a encore des pattes qui traînent dans sa mère. Et le statut, la première partie de notre Mishnah va être de définir à partir de quand je considère qu'il est né et quand je considère qu'il n'est pas né. D'accord? Et donc la Mishnah m'enseigne. Behema hamaksha leled. On va voir, je crois, 4 ou 5 Mishnayot. 4 Mishnayot qui vont nous parler de ça. Behema hamaksha leled. Un animal qui est en couche. Behema hamaksha leled. Un animal, une vache, par exemple, ou une brebis, qui est Hamaksha Leled. Hamaksha Leled, littéralement, ça se traduit par celle qui est en train de mettre bas. Maksha, c'est parce que c'est difficile de mettre bas. Elle est en train d'avoir les contractions. Elle se contracte pour accoucher. Techniquement, la Maksha, elle a pris cette expression parce que pendant toute cette période où elle pousse à l'intérieur et tout ça, alors on va se retrouver avec des fois le veau qui va commencer à sortir et re-rentrer. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a utilisé cette expression. En tout cas, on parle d'une vache qui est en train de mettre bas. Vehotsi ha'ubar et yado. Et l'embryon, le fœtus, le petit veau qui est dedans pour le moment, qui n'a pas encore un statut de veau, il a sorti sa main. Ve'echezira. Et après, il a re-rentré la main. Mutar ba'achila. Il est permis à la consommation. Je continue tout de suite, après on va expliquer plus en détail, parce qu'il y a beaucoup de quoi allonger. Comme vous pouvez voir, il y a un long bartanora. Pour le moment, on traduit la suite. Par contre, hotsi et rosho, s'il a sorti sa tête, Afalpiché et Chéziro, même sans suite, il a re-rentré sa tête, Areizé Keyaloud. Il est considéré comme si qu'il est déjà né. Parce que faire sortir la tête, ou faire sortir la majorité du corps, d'un coup, même si on sort par le siège, eh bien, il faut par le siège, il faut la majorité du corps. Par la tête, ça suffit de sortir la tête. Ça arrive pendant que la mère, elle accouche, elle va mettre un coup d'une contraction forte, le veau va commencer à sortir, et puis après, la contraction s'arrête, et le veau va re-rentrer, pour ensuite ressortir à la prochaine impulsion. Alors, la Mishnah m'enseigne, tout d'abord, si elle a sorti la tête à ce moment-là, et qu'après elle est rentrée,
ça s'appelle qu'il est né. S'il est déjà né, donc c'est un être indépendant. Donc, si on fait la shrita de la mère, le veau ne peut plus être consommé par cette shrita. Il a besoin, comme tout mammifère cachère que l'on veut manger, il faudra lui faire une shrita. D'accord, c'est clair? Ça, c'est le premier mot. Deuxièmement, maintenant, on va revenir sur la main. La Mishnah, elle a parlé d'un cas compliqué, en fait. On parle que la main, elle est sortie, elle est rentrée. Je dis tout de suite, que lorsqu'elle fait sortir la main et qu'elle le rentre, d'abord, la main, on ne pourra plus la manger parce que la main, elle est déjà sortie, elle. Même si le veau, il n'a pas besoin de shrita, et la main, on ne pourra pas plus du tout la consommer. Même si on fait la shrita au veau, parce que la shrita au veau, elle ne sert à rien. Le veau lui-même, il se fait permettre par la shrita de la mère. Mais il y a une halakha spéciale que, au bassar bizdet terefa, au bassar bizdet terefa lotochelou, l'animal qui est sorti de kol bassar shiatsa chutz limchitzato. C'est un lave un peu compliqué, c'est un interdit un peu compliqué que la Torah a exprimé. Que concrètement, grossièrement, ça veut dire que toute viande qui est sortie à l'extérieur de ses mechitzot, de ses limites géographiques, eh bien, il devient interdit. C'est un lave qui inclut plein d'interdits. D'accord ? Il est interprété de plusieurs manières. Une des interprétations, c'est justement ça. L'animal, il est permis, le veau, il est permis tant qu'il est encore dans le ventre de sa mère. S'il a sorti la main, cette main-là, elle est interdite. Mais le veau lui-même, il est permis. Pourquoi la main est interdite ? Parce que yatsa chutz limchitzato. Ça, c'est premièrement. Donc même si le veau, il a commencé à sortir sa patte, à ce moment-là, on fait la shrita de la mère, il va falloir tout de suite. On va regarder là, qu'est-ce qui est sorti ou qu'est-ce qui n'est pas sorti. On coupe cette partie-là, on la jette, et le veau, on le mange. Sans faire de shrita au veau. Parce que le veau, il a eu la shrita. Comment ? Le veau, pour le moment, il est partie intégrante de la mère, il est permis grâce à la mère. Ça, c'était la première donnée à préciser. Maintenant, la Mishnah, elle m'a compliqué un peu l'œil. Et je vais vous expliquer très brièvement. Il y a une halakha. Si vous faites la shrita à la mère, lorsque la main elle est dehors, vous devrez couper la mère, vous devrez couper plutôt la main du veau, comme je vous ai dit, mais avec même plus que ça. Il va même falloir le makom acheter. L'endroit exact que l'on a coupé, lui aussi l'interdit, il va falloir le couper lui aussi. Je ne sais pas si c'est peut-être une épaisseur d'un doigt ou d'un demi-doigt, mais il va falloir couper en plus de ça, même cette partie-là, qui était sur le point de sortir. Tandis que lorsque le veau a re-rentré la main, alors cette partie-là, elle est permise, c'est pour ça que la Mishnah a exprimé ça, de manière en disant, elle a rentré la main, elle a ressorti. Ouais, si vous n'avez pas compris dans tous les détails, c'est pas très grave, retenez juste que pour le moment, la main qui est sortie, on ne peut plus la manger, même si elle est re-rentrée. Tandis que... le veau lui-même il sera permis, et si elle a sorti de sa tête, alors là, cette fois-ci, ça fait qu'il est né, il est plus du tout, il devient plus permis grâce à la shrita de la mère, il faut lui faire une shrita indépendamment. Ok ? Deuxième partie de la Mishnah maintenant, petite introduction, vous savez bien qu'il y a ce qu'on appelle l'interdit de Ever Minachai, interdit qui concerne même les goïms d'arracher un membre d'un être vivant pour le manger. Même un goï n'a pas le droit de faire ça. Si un goy veut manger de la viande, il a le droit de tuer comme il veut. Il peut même lui à la guillotine, à la hache, comme il veut. Et après, il peut la manger. Mais il n'a pas le droit d'arracher. S'il veut une patte, il n'a pas le droit d'arracher la patte de l'animal. D'accord ? Il faut nécessairement tuer l'animal pour ensuite lui arracher le membre que l'on veut. On n'a pas le droit d'arracher un membre. Ok ? C'est ce qu'on appelle l'interdit de Ever Minachai. Un membre qui vient de l'être vivant. Maintenant, la Mishnah va m'enseigner. Je traduis tout de suite, après on explique. Choter me'ubar shebe me'eha. Si il a coupé le fœtus qui était dans les entrailles de la mère. Donc, ce qu'elle a fait la sage-femme, ou la méchante femme plutôt, elle a rentré sa main avec un couteau dans l'utérus de la vache. Et là-bas, elle a zigouillé, elle a coupé en morceaux déjà le petit veau qui était à l'intérieur. Et après... ils ont fait la shrita de la vache. En théorie, il devrait y avoir ici Ever Minachai, c'est très grave. Elle a pris un être vivant, et là, elle a découpé en morceaux, et on n'a pas le droit de le manger, il faut nécessairement tuer l'animal pour lui couper un membre. Elle a rentré ses mains, elle a déjà coupé toutes les pattes, elle a décortiqué, et puis sans la battre, elle a sûrement fini par mourir à un moment, mais en tout cas, elle n'a pas fait tout de suite. Et bien, la Mishnah enseigne que c'est permis. À la différence de Minatrol ou Minaklayot, il a fait... même une opération à l'animal. Il lui a enlevé le troll. Il lui a enlevé le troll. Le troll, c'est la rate, comme on avait appris. Et on avait appris que si on enlève la rate entièrement, on n'est pas tarif. Ou encore Minaklayot, les reins. Il a fait une opération. Mais sans ensuite retirer l'animal. Il a juste fait
Ouais, aujourd'hui ça se fait avec des petits appareils. Il a fait rentrer un petit appareil là-bas qui lui a coupé la rate et qui lui a coupé les reins. Et après, il a fait la chrétienne de l'animal. Est-ce que lorsqu'il va finalement égorger l'animal, il pourra manger puisqu'il n'était pas très fat, il était cachère l'animal. Mais est-ce qu'il aura le droit de manger cette rate ou ses reins? Eh bien, la Mishnah enseigne que non. Tu peux découper le. Et pourquoi non? À cause de l'interdit de Ever Minachai. Phénoménal. Le monde à l'envers, apparemment. Tu peux prendre le petit fœtus qui est dedans. Il était un vrai être vivant. Tu l'as décortiqué en petits morceaux et il est cachère. Pourquoi? Il n'y a pas d'interdit d'Ever Minachai. Tandis que tu veux le corps elle-même de l'animal, le corps lui-même de la vache, si toutefois lui tu l'as porté atteinte, tu lui as coupé un membre, et seulement après tu as égorgé la mère, et bien ce morceau-là il sera interdit à cause de Ever Minachai. Ouais? Vous avez compris le principe? Et tout ça c'est du même passage, parce qu'en fait la Mishnah, la Torah elle m'a permis ce que je trouve dans l'animal, mais elle m'a interdit aussi de manger. Hein, de manger l'animal lui-même duquel on a arraché un membre. Or, le fœtus, c'est pas un membre de l'animal, c'est un être qui se trouve dans l'animal, qui n'a pas un statut d'être indépendant. Pour le moment, il est. C'est très intéressant, c'est un peu quelque part, c'est comme si on va manger, si c'était mangeable, ce qu'on trouverait dans les intestins. Ben, c'est un peu le même principe. Ça n'a pas un statut d'être vraiment le corps de la mère, c'est permis grâce à la shrita, tout comme le lait qui se trouve dans les mamelles. Ben, à part le lait, on peut aussi trouver un. On peut trouver de la viande dans son utérus, mais ça n'a pas un statut d'animal indépendant. Pour le moment, c'est quelque chose qui est contenu à l'intérieur de la mère. Donc c'est permis grâce à la mère. Dans ce cas-là, il n'y a même plus d'interdit de verminachai. Bien sûr, si vous allez le retirer et le faire sortir, vous n'allez plus pouvoir le manger parce qu'il faut faire la shrita pour la mère. Mais quand on fait la shrita, on va permettre tout ce qu'il y a dedans. Mais tandis que les membres naturels de la mère que l'on a coupés, eux, puisqu'ils ont été dévitalisés et arrachés, eh bien, ils ont un statut de verminachai. Et c'est ce que la Mishnah a conclu en me donnant la règle générale, Zehaklal, telle est la règle. Kol davar shehu gufa, tout ce qu'on considère que c'est une partie intégrante de son corps, assour, c'est interdit. Donc si on l'a coupé avant de faire la shrita de la mère, il sera interdit à cause de verminachai. Par contre, sheheno gufa, mais ce qui n'est pas considéré comme une partie intégrale de son corps, mais c'est quelque chose qui est contenu à l'intérieur de son corps, et bien dans ce cas-là, moutar, ce sera permis lorsqu'on fera la shrita de la mère. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.